Oui. Oui. Salut à tous, c'est Mafia Stunting. Comment allez-vous? Moi, nickel. On se retrouve pour faire un truc que je n'ai pas fait depuis belle luette. Lurette, pardon. Faire un petit tour sur le online de GTA V. Alors, c'est un peu une vidéo lancée à l'improviste, comme à l'improvost. Par contre, je suis toujours pas déçu niveau chargement. Ça fait environ 12 minutes que j'y suis, là. Dans un turfu plus ou moins proche. J'arrive en pleine nuit, comme d'habitude. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est moi qui ai fait ça la dernière fois. Non, je refuse. Comment ai-je osé porter des vêtements pareils, franchement? Bon, bah aujourd'hui, on commence avec la bâtie. Oui, oui, ça commence bien. Là, on est parti pour bâtir quelque chose. La seule activité potable la nuit, c'est le casino. Et en plus, vu ce que je veux faire, on va en avoir besoin, je vous le dis. Allez, oh là là, ça commence. Premier essai, je me balade online. Avant de continuer cette petite vidéo, je voulais vous parler d'Opera GX. C'est un navigateur internet que je voulais vous conseiller, qui est vraiment excellent. L'atout de ce navigateur, c'est qu'il est conçu, en fait, pour les gamers, comme toi et moi, en fait, tu vois, si t'es une bonne biquette qui joue au jeu. Allez, regarde, je te montre. T'as envie de te connecter à Twitch et d'avoir toutes les notifs des streamers que tu suis. Twitch est directement intégré, ça c'est vraiment génial. C'est possible aussi d'avoir WhatsApp, Facebook directement dedans, c'est vraiment pratique. Et si tu veux rien rater sur l'actu gaming, pas de soucis, tu te diriges sur la barre latérale. Le GX Corner, il sera fait pour toi. Grâce à ça, tu auras toutes les dernières actualités sur le jeu vidéo, les dernières offres, les nouvelles choses qui s'afficheront de manière quotidienne sur cette page. Et ça, c'est vraiment stylé. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Va dans la description, télécharge-moi ça et fais-toi plaisir. Et si t'es sur mobile, aucun problème, tu peux t'envoyer le lien par mail. Tu pourras facilement cliquer dessus après sur ton PC. Sinon, il fallait que je vous parle de ça, le GX Contrôle, ça c'est la folie. Tu peux carrément contrôler, limiter, faire tout ce que tu veux. Tu peux limiter ta bande passante, ta RAM, ton CPU, vraiment tout ce que tu veux pour pouvoir optimiser au maximum ton stream. Et ça c'est vraiment unique. Et là je vous ai montré que quelques fonctionnalités, il en reste encore plein. Par exemple, l'apparence, vous pouvez modifier tout ce que vous voulez, les couleurs, vraiment tout, c'est très poussé. Je vous laisse découvrir ça par vous-même en description. Cliquez sur le lien, téléchargez-le, faites-moi un petit retour pour me dire ce que vous en avez pensé. Merci Opera d'avoir sponsorisé cette vidéo. Non, parachute. Merde. Oh, ça commence du feu de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ça là? Je dis non aux hackers, signez la pétition. Salut, on se connaît, mais oh là là, non, arrêtez. Moi j'ai une entrée un peu particulière au casino. Ah, toi-même tu connais le bail. Hey yo, démonstration, hop là, on esquive la voiture, on passe par ici, on va tenter de redécoller au calme, faire un wall ride. Bon, c'est pas ce que je voulais, j'avais oublié que le casino était comme ça. Moi, je voyais encore l'ancien là, tu vois. Mon heure de gloire a sonné, on y va. Salut McFly. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu faire un tour ici, le nouveau véhicule sur le podium. Vous me mettez l'eau à la bouche là, mais vous allez avoir du sang dans la bouche si je ne le gagne pas. Alors, voici la grande roue. Vous la faites tourner une fois par jour, vous avez peut-être la chance de gagner le véhicule. Et hop! Ça y est, c'est parti. Est-ce qu'on va être chanceux aujourd'hui? Oh, la voiture, ça me ferait trop plaisir. Mais il faut pas rêver. 20 000 $. Autant de dire des brouettes. Même une brouette, ça vaut plus, je crois. Salut ma pote, ça me fait plaisir de te revoir. Là, on part avec 263 000 en poche. Alors, regarde bien ce montant parce que dans 5 minutes, ce sera écrit 0. Ah, la Diamond, la fameuse où j'ai gagné plusieurs fois des millions. Oh ! Donc, moi, je mets la mise maximale 2 500. On va gagner 2 500 000. Tu vois? Allez, on fait plaisir à la biquette aujourd'hui. On veut le jackpot. Tu es où, Jack, mon pote? Non! Allez, faites-moi péter l'argent. Je paye un coup à tout le monde. Les petites cerises! Eh! Non! J'avais le diamant, là. Il en manquait plus que deux. Oui! Oui! Eh! 12 500, je viens de gagner, là. Eh, aujourd'hui, je crois que c'est la bonne. Encore! Wouhou! Ça y est, là, je suis en train de redescendre en dessous de ce que je viens de gagner. On commence à être dans le négatif. Bon, j'enchaîne, et puis. Oh! Oh mon dieu! Il en manquait qu'un seul! Oh, j'y ai cru, les gars! Alors là, j'ai cru qu'on tapait les 2 500 000. Ah, oh, dommage, 5 000. Eh, ça fait rien gagner les 2-7. Ça fait gagner une croûte en banque. Ouais? Oh! Il manquait un seul 7. Allez, encore quelques tirages là, et puis on va y aller. Enfin, on n'est pas dans Forza non plus. C'est pas des tirages, mais c'est à peu près pareil. Bon, allez, on n'y croit plus, hein. Je passe les tirages, je passe les tirages. Tu vas me les mettre, tes cerises? Non, je m'énerve pas. C'est pas vrai. Vous allez me mettre un méga pouce bleu maintenant. Regardez pourquoi. Allez, hop, je me tais. Eh oui, je vous l'avais dit aussi, hein. Enfin voilà, le gros pouce bleu, parce que là, regardez. Et voilà, je vous l'avais dit. Non, franchement, annulez votre pouce bleu. Là, remettez-le maintenant. Eh oui. Mais bien sûr. Bon, abonne-toi alors, si c'est pas déjà fait. Regarde ce que tu gagnes si tu t'abonnes. Voilà.
Non, ça va, je vais bien. Alors, le bilan jusque-là, j'ai perdu 100 000. C'est pas mal, belle performance. Eh, mais attendez, je l'ai la solution. Personne n'y a jamais pensé, mais pour gagner le jackpot, en fait, bah, vous appuyez sur faire tourner A plus RT. Bah oui, bah bien sûr. Oh, le pire c'est que ça marche. Oh là là. Oh la blague. Je vous donne une vieille astuce pourrie qui marche pas et je tombe sur 62 500. Faut appuyer sur RT plus A. Et bon, là c'était un coup de cul quand même. La pastèque dans le steak. On se casse. On va aller faire un tour derrière, faire une petite course de cheval. Allez, on va faire chèque annulé. Ça sent mauvais. Je sais même pas où je suis. Votre cheval est arrivé cinquième. Bon, là je gagnerais 110 000, ce qui serait quand même rentable. Mais avance. Qu'est-ce que tu fous? Il est encrassé ce noob. Mais je refais cinquième. Les gars, vous m'avez énervé. 30 contre 1. Allez hop, ça part. 10 000 dans le vent. Quitte à jouer, je joue le tout pour le tout, hein. Ça arrive une fois tous les 1000 ans que ça tombe, mais c'est pas grave. Regardez, c'est bien ça. Super. Je refais cinquième. Eh, vous allez me tuer, les mecs. Cinquième de quoi? Je recommence. Je suis prêt à finir SDF juste pour arrêter d'être cinquième. Oh là là, j'ai tellement aucune chance de gagner. C'est n'importe quoi ce qu'on fait. Est-ce qu'il va réussir à remonter la pente? Eh, y a moyen. Vas-y, vas-y, accélère. Mais accélère, qu'est-ce que tu fais? Putain, mais sixième, encore pire. Vas-y, vas-y. Mais non. Dépêche. Troisième, bon, c'est un peu mieux. Allez, numéro 5. On y arrive, ouais. Allez, numéro 5, c'est bientôt l'arrivée. Accélère. Mais putain. Oh non. Bon, allez, je retourne aux machines à sous, hein. On a meilleur temps, je crois. Allez, je fais ça rapidement. Et puis, si je gagne rien, ben tant pis. Oui. Oui. Oh non. Oh là là, regardez à côté de quoi on est passé. Oh non. Les 3 diamants, les mecs. Les 3 diamants, c'est x 1000. 2 500 000, on vient de rater. À une case près. Oh là là, comme je suis dégoûté. Oh là là, ça y est, on arrive au bout du bout. 23 000. J'ai dépensé 200 et quelques 1000 aujourd'hui. C'est n'importe quoi. Les cerises. Oh non, les cerises. Alors, elles auraient pu me remonter un peu. Ça y est, on passe en dessous de la barre des 10 000. La pauvreté a pointé le bout de son nez. Mais c'est pas vrai, les cerises. Ça fait 4 fois qu'elles tombent à une case. Ok, 3 500. C'est terminé. Avant-dernier tirage. Allez, le dernier. Oh non. Ah. S'il vous plaît. Non. Oh là là. Je suis arrivé avec 200 et quelques 1000. Je repars avec 55 jetons. Je crois que c'est la plus grosse perte que j'ai engendrée de toute ma vie. Bon bah là, il me reste plus qu'à aller stunter comme un pauvre avec ma bâtie. Salut cousin, toi aussi t'es dans la même situation que moi. Regardez, c'est un confrère. Lui aussi, il a le super combo savate chaussette. Ça me fait plaisir. Bon bah je suis là, hein, si tu veux discuter, hein. Sinon je peux te p***tu, hein, n'importe. Non, allez, arrête. Putain, la démonétisation. Tu vois, j'ai envie que d'une chose après une perte pareille, c'est rouler à contresens en n'ayant rien à foutre de... Ouais. Je sais pas comment j'ai survécu à ça. Mais moi, monsieur, je savais pas, hein. On m'a demandé d'héberger, j'ai hébergé, hein. Y a-t-il un mafioso dans la ville? Oh, y'en a un d'Archéol. Oh, y'en a un autre de Guy Nugget. Eh, hey, les copains, c'est moi. Hola. Ah, je crois que mon abonné, il est tchèque. Hola. Voilà, je lui demande. Bien sûr, sauf les jours fériés. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai décollé sur une bagnole, je m'en suis même pas... Non! Mais quoi? Comment je suis mort? Mais comment je suis mort là? Les mecs! Non mais alors là, il y a eu trop d'événements au même moment, bien sûr sauf les jours fériés. Mais comment on peut être scandinave sauf les jours fériés? C'est interdit ça par la loi. Alerte au Google! C'est une discussion de sourds. D'aveugles et de muets même. Ah, il est là l'abonné. Oh tiens, on a la même couleur en plus. Non, mais elle a disparu. Eh, hey, mais tu es un mage noir, toi. Ah, bah, on va faire un petit stunt avec l'abonné en duo. Tiens, ça, c'est sympa. Est-ce que t'es prêt? On va s'envoler ici, là. Regardez, là. Non. Ça te dit de tester un truc? Dis-moi. F1 vs moto face à face. Vendu. Pour décoller. Ça vient. Oh non, tu l'as pas vendu. Cette discussion n'a... ni queue ni tête. J'ai pas de phare. Oh, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, il va me fuir. Bon, allez, ça suffit les mecs, ça suffit. Et c'est parti l'abonné. Donc là, il se lance. Moi également, nous devons nous rencontrer au milieu de la route le plus rapidement possible sur sa F1. Regardez, il est là, attention. Et
Oh, ça a fonctionné. Eh, c'était bien ça. Allez, c'est parti. C'est le cirque des biquettes aujourd'hui, hein. Ça fait longtemps que je suis pas venu online et on se retrouve à s'amuser avec un abonné et ça, ça me fait grandement plaisir. Ouais. Oh, dommage, on y était. Attention. Oh là 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 là, j'ai du tout esquivé, j'ai perdu un peu de vitesse. Il est là, il est là. Oh, dommage. Je lui ai roulé par-dessus. Bon, alors, je vais faire ce que tout le monde attend. Je vais mourir. Tout simplement. Alors là, juste avant, il y a une petite guerre de gang qui se prépare, là, quand même. Ok, on y va, c'est parti. Alors, comment ça marche, déjà? On va aller sur Internet Legendary Motorsport, vous avez deviné. On va s'acheter une nouvelle voiture en plein online. Nope. Alors, avec ce que j'ai comme fric, j'aurais peut-être le pare-choc d'une F1. Mais je suis en train de me rendre compte que, à part des bagnoles des années 70 ou un SUV, je peux rien m'acheter là. J'ai même pas d'adjectif pour me qualifier. Je suis un sous-pauvre en fait dans GTA avec 1 million. Eh bah écoutez, je crois qu'on va rien acheter, hein. Là, il va falloir qu'on réussisse à se croiser hors d'un virage sans me prendre de bagnole. Il est là, il est là. Wow, joli. Eh, regardez un peu l'envol que ça nous donne. Si tu avais tourné, tu aurais fait un stoupi. Oh là 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 là, je vais même perdre mon seul abonné qui est dans la partie, je vais le perdre avec mes blagues. Ok, cette fois c'est la bonne, cette fois c'est la bonne. Oh là là, il y a trop de monde. Regardez sa Civic à lui, je vais faire un tour de don avec lui. Salut cousine Germaine. Ça tape des gros rupteurs, comme ça, sans pression. À part peut-être dans le turbo. Oh, ça trace. Tiens, arrête-moi là, il y a un avion. Oh. Eh, vas-y, attends-moi, je vais monter en moto sur l'avion. Oh, j'ai réussi avec la porte. Eh ben voilà les gars, regardez la place qu'on a sur cet avion. Bro, Maïdor. Je lui ai éclaté sa porte, je crois. Oh, je lui ai enlevé la porte. Je lui ai arraché la porte. Non, calme-toi. Reviens là, l'avion. Oh, oh, trop bien, il a l'avion, l'abonné, regardez. Hi, YouTube. Allez, faites-moi un petit jeu de mots avec son nom, là. Je suis sûr que vous allez trouver en commentaire. Dark Eolienne. Quelqu'un peut décoller, là? Quelqu'un peut décoller, s'il vous plaît. Oh, c'est parti. Ouais, ça y est, on décolle. À l'ancienne, comme sur le... Comme sur le cargo. Non, pas le cargo plane, le Titan. Vous vous rappelez quand je faisais ça en vidéo? J'étais sur le toit des avions et on se marrait en moto et tout. Et une fois, on s'était posé sur la Maze Bank comme ça, c'était trop cool. Regardez, ça décolle. Eh, mais sur cet avion, c'est trop facile en plus. Eh, doucement, mais t'es un malade. Mais t'es un fou. Ok, ce monsieur est un peu brusque. Je vais tenter de faire le défi de tomber le plus haut possible... En survivant, on va essayer avec la moto. Tiens, regardez, celui-là. Ok, j'ai battu le record sans faire exprès, 16 mètres. Ah, il y a ça aussi, regardez, que j'ai pas fait depuis longtemps. Hop, et voilà. Le glide, vous vous rappelez le glide au sol? Oh, c'est trop bien, les gars, je redécouvre GTA, là. Oh, pour la fin de la vidéo, ce serait tellement beau pour ce retour aux sources sur GTA Online. Allez, les gars, on peut le faire, attention. On y va. Oui. Oh, j'ai réussi. Oh, putain, ça peut y aller. Oh, ça peut y aller. Oh, non. Oh là là, j'y étais presque. Oh, le truc de ouf. On a failli rentrer le méga stunt. Petite rectification dans la vidéo, elle devait se terminer maintenant. Mais du coup, il y a la nouvelle mise à jour sur les F1. On va aller y faire un petit tour pour voir ce que ça dit. Ça y est, alors, ultra légère. Alors, ça fait 1000 ans que j'ai pas fait une course en online. M'en voulez pas si je suis nul. De toute façon, je vais être honnête, j'ai jamais été très bon dans les courses online. Donc, oh là là, ça va être le beans. Oui. Alors, je prends quoi? PR4 ou R88? 3, 2, 1... C'est bon. PR4. Les pneus, il faut choisir. Dur, tendre, standard. Je vais prendre mi-dur, mais pas standard. Passe-moi le standard. Arrête. Je vais miser parce que j'ai confiance en moi. C'est faux. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça y est, ça commence. Oh, je suis pas prêt, les gars, je suis pas prêt. Alors, est-ce qu'il faut démarrer en restant à fond sur l'accélérateur? Je sais pas. Ah bah non, fallait appuyer pour avoir le départ turbo. Oh là là, j'ai oublié comment on joue. Oh. Bah, arrêtez, les gars. Ça y est, ça commence. Ça canarde tous. Oh là 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 là, n'importe quoi. Est-ce que ça vous dirait que je tente ça, mais comment on met le turbo là? Attendez-moi les mecs. Oh là 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 là. C'est du grand n'importe quoi. Je sais pas comment on met le turbo, c'est quoi la touche? Non. Mais c'est à cause de Bernard devant. Attends, mais j'ai pas l'habitude là. Oh, Raikkonen, ralenti. Mais ah ouais, bah bravo, ah bah joli. Non mais les gars, ça je le sentais venir, hein. Mais pour l'instant, je suis assez fan, c'est plutôt marrant, ça donne lieu à des grosses rigolades. Non. On va essayer la vue première personne, poilala. Là, je me sens déjà un peu plus dans mon élément.
Wow, 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 le slalom. Là, ici. Ça y est, j'ai rattrapé le premier. Ah, j'ai compris, c'est les deux joysticks. Ah bah voilà, là je vais finir premier, c'est bon. Non, j'ai trouvé le boost, là on va gagner, c'est bon. Allez, poussez-vous les gars là, vous avez Choumi derrière vous. Oh putain, non. Oh là là, mais cassez-vous. Ils savent pas conduire, ça me fait faire des accidents. Je suis quatrième sur 15, pas mal, pas mal. Eh mais on a 10 tours à faire là-dedans, mais c'est la folie, eh. Ça va durer trop longtemps. Mais je suis chaud d'essayer ça, soit en live, soit dans une vidéo avec des abonnés là. Dites-moi si ça vous intéresse, je serais bien chaud d'essayer. Allez, Mafia Stunting arrive bientôt en pole position. Il talonne le troisième. Attends-moi, Jean-Claude. Attention! Ah, j'en rattrape. Oh, j'en rattrape deux. Ça devient intéressant là. Ouais, c'est bien. Éclatez-vous. Bravo les gars. Vas-y, je passe troisième. On va essayer de faire deuxième déjà. Ce sera pas mal. Tac, je passe deuxième. Deuxième. Oh là là, oh là là, on est chaud. Est-ce que je suis. Oh, wow, les gars aussi. Ah, vous êtes des sacs à foutre. Mais arrêtez vos conneries, putain. Ça finit comme ça devait finir. Mais oh là 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 là, j'allais être premier. Ils m'ont éclaté. Ils ont même pas freiné au virage. Mais bouge. Oh là là, comment ils m'ont énervé. J'allais être premier. Attends, vous inquiétez pas, il reste 5 tours. Vous allez me le payer ça. Regardez, regardez, trop chaud là. On prend le virage bien comme ça là. Hop là. Non. Putain. Planté. J'ai pas contrôlé le boost aussi. Ça c'était bien vu. Mettre le boost alors que je suis encore en train de tourner. Non, ça va, en vrai j'aime bien le mode. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du mode F1. Moi pour l'instant je suis assez preneur, c'est marrant. Ah ça y est, je l'ai rattrapé. Oh, cassez-vous, qu'est-ce que vous faites aussi. Vas-y, il y en a qui jouent même plus là, ils nous bloquent exprès. Ah, il y a l'état d'adhérence des pneus. Donc là mes pneus sont encore bons. Ah, il y a l'état du véhicule aussi, regardez, il faut pas prendre trop de choc hein, sinon. Oh là là, il est juste derrière moi l'autre, c'est chaud. Oh, je rattrape le deuxième. Non. Oh là là, il faut que je dise ça pour me retourner, mais c'est pas vrai. Ça y est, je rattrape. Mais qu'est-ce qui se passe? Mes pneus n'adhèrent plus rien. Comment on change les pneus? Je sais pas. Ah ouais, ça commence à déraper dans tous les sens. Oh là 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 là, ça devient incontrôlable. Oh non. J'ai crevé mes pneus, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, je suis trop nul. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Ah, ça doit être là les stands, c'est ici là. Ah, je suis trop bête en fait, j'avais pas capté que c'était là le stand. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, je passe sixième du coup. Bon bah écoutez, au moins je le saurai. Vas-y, mais c'est quoi toi? Bon alors évidemment, j'avais pas compris le système comme d'habitude, je suis pas très doué des fois. Mais vas-y, putain. Vous êtes des taborgnos. Oh, ils vont se prendre une mandale. Eh, hey, les gamins, je vous chope. Je vais refaire des courses de F1. Il faudra que je prenne ma vengeance. Je suis un petit peu outré de ce qui m'est arrivé. Vas-y, mais aussi... Ils savent pas conduire, les mecs. Mais vas-y, mais t'es chiant, mec. Putain, mais quel relou. Mais non. Bouge. Oh, vous m'énervez, hein. Moi, je vous éclate. Oh non, mais il me saoule, là. Vas-y, mec. T'es marrant, toi. D'où mes pneus, ils sont déjà foutus, là. Je viens de les changer. Mais vas-y, il m'est monté par-dessus, lui, carrément. Oh là 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 là. Comment j'ai réussi à crever mes pneus en un seul tour? Ça y est, je passe 9ème, vas-y, vous me saoulez. J'aurais même pas le temps de finir ma course, je suis dégoûté. Oh là là, oh là 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 là, oh non. Vas-y, on peut pas se tirer dessus pendant les courses, que ce soit encore plus drôle, quoi. Ce fut plutôt marrant, je vous avoue, moi, mon avis sur ces courses, c'est que je vais en refaire. Je pense que ma prochaine vidéo GTA, on va finir par des courses en online, c'est vraiment cool. Donc à la prochaine pour de nouvelles aventures, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. A bientôt, ciao ciao.